Bonjour tout le monde, merci d'être sur cette nouvelle vidéo pour ma deuxième semaine d'entraînement. Et on commence directement par notre première séance de musculation du lundi 13 mars. C'était une très bonne séance, j'ai vraiment repris goût aux séances de musculation, même quand elles sont assez longues. Je suis bien plus concentré et déterminé sur tous mes exercices. J'ai vraiment envie de progresser sur tous les exos et de voir la différence sur la piste. C'était vraiment une très bonne séance. Et j'ai senti directement que j'avais eu plus simple que la semaine dernière. On enchaîne avec notre séance du mercredi 15 mars. Ce qui était prévu, c'était exactement le même plan que la semaine dernière, c'est-à-dire 2 fois, 4 fois, 300 mètres. On devait les tourner plus ou moins en 50 secondes, on n'avait que 50 secondes de récup aussi, et on avait 3 minutes entre les deux séries. Tout comme la semaine dernière, l'entraînement a vraiment été très productif, mais j'ai eu un peu plus de mal que la semaine dernière par contre. J'ai dû aller plus tôt à l'entraînement que d'habitude, et je pense que j'avais pas assez bien digéré ce que j'avais mangé durant la journée. Si j'ai dû aller plus tôt à l'entraînement, c'est parce que j'étais nommé pour la remise de prix des mérites sportifs de la commune de Braine-l'Alleud. C'est une cérémonie qui a lieu tous les ans et qui récompense les athlètes les plus méritants de la commune. Et cette année encore, il y avait vraiment du beau monde. À tel point que j'étais déjà très honoré simplement d'être nommé. Je pensais vraiment que j'avais aucune chance. Surtout par rapport au palmarès des autres athlètes qui étaient bien plus impressionnants que le mien. Et au final, si, je remporte la 2e place du mérite sportif individuel senior. Et comme j'ai pu le dire au micro de monsieur Vincent Langenries et dans mes différentes publications, je remercie la commune de Braine-l'Alleud de m'attribuer ce prix. J'imagine qu'ils ont voulu récompenser mon travail, ma détermination et ma passion pour le sport plutôt que pour mes performances. Parce que comme je vous dis, il y avait vraiment des palmarès hyper impressionnants à côté. Donc un immense merci à eux. La cérémonie était vraiment top. Et on a de la chance d'être dans une commune qui valorise à ce point le sport. À mon sens, c'est aussi ce genre d'événement qui manque en Belgique. Donc, je range ça là. Et on passe donc à la 2e muscu de la semaine. Le jeudi, c'est notre plus longue séance de muscu. Et en plus, c'est avec tous les exercices les plus énergivores, style épaulé et soulevé de terre par exemple. Ma séance a duré 3 heures cette fois, mais bon après j'avoue que je commence avec 40 minutes de mobilité et de renfo. D'ailleurs, ça m'arrive parfois d'aller faire ces 40 minutes là, donc de mobilité et de renfo, durant certains jours de la semaine. Ça me permet de drainer certaines courbatures et d'assoiffer ma motivation. Enfin bref, c'était une bonne séance de muscu comme on aime. Vendredi par contre, c'était séance de vitesse. Le classique enchaînement traîneau-cône, puis 2 fois, 3 fois, 60 mètres. Le temps était excellent, on a eu pas mal de chance. Et j'étais vraiment en forme pour le coup. Comme m'a dit le boss, ça fait longtemps que j'ai pas été aussi bien sur de si courtes distances. C'était surtout au niveau de mon départ que je poussais bien, et alors passé 40 mètres, je sentais que j'arrivais dans ma zone de confort. C'était une très bonne séance. We'll be right back.
et on arrive déjà au dernier entraînement de la semaine, la séance de côte. Pour la première fois de la saison, j'avais un plan plus long que les sprinteurs courts. Ici, mon plan, c'était 5 fois 200 mètres. J'ai réalisé une très bonne séance et j'ai été régulier dans les temps que je devais faire, c'est-à-dire tout en 27 secondes. Mais plus important encore, j'ai su garder la bonne attitude de course tout du long de l'entraînement. Et merci à Adrien qui m'a régalé au montage de ces images. Allez Nico, allez Chloé, allez Adol. Tu diras ça après aussi. Pression Clément. Ça reste compliqué sur la fin. Il y a Gaëtan qui pisse tout au bout. Prêt ? Ouais ! Allez les gars, allez les filles. Allez Big Boss. Allez Nico. Allez Nico, lâche pas Nico. Allez Nico. Ça fait 3. Easy. 3. Troisième impression. Je suis pris. Il y a combien de courses ? La technique, faites pas penser à du cassoulet. Arrête, je vais te gâter, je vais te faire prendre 10 minutes avec. Bravo, Marc. Prêt. Ouais. Allez, gars. Allez Adol. Allez Chloé. Jusqu'au bout. Allez, 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 allez.
Voilà qui clôture donc cette deuxième semaine d'entraînement. J'en profite aussi pour vous dire que les prochaines semaines vont être assez chargées de mon côté. Je travaille notamment beaucoup sur le nouveau projet qui va arriver sur la chaîne. Ça avance bien, très bien même. Et donc je sais pas encore comment je vais m'organiser pour la production des prochaines semaines d'entraînement. Peut-être que j'en sauterai l'une ou l'autre. Ou peut-être pas, je sais pas du tout comment je vais arriver à m'organiser à ce niveau-là. Mais je préfère vous en parler, comme ça je me mets pas trop la pression par rapport à ça. N'hésitez donc pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et je suis encore plus actif sur mon profil Instagram. Et surtout, n'oubliez pas d'aller faire du sport. Oui. Allez Clément. Ce petit chemin qui sent la noisette me rappelle soudain ce grand jour de fête. Abonnez-vous. Ce sera dans la vidéo.